Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Arthur Victor Guimarães au Barça. Allez, c'est parti. Alors, avant de faire ces petites vidéos, je t'invite comme d'habitude à laisser ton petit pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout t'amener à la chaîne, la petite cloche de notification, voilà, c'est pour faire plaisir. En tout cas, on est parti pour parler de Guimarães au Barça. Alors, Barça, comme vous le savez, est éliminé de la Ligue des Champions. C'est assez catastrophique d'un club de la part comme le FC Barcelone, qui est en manque cruellement d'attaquants, comme le Barça n'a pas assez de moyens financièrement parlant, donc se vise vers les jeunes attaquants, donc comme à l'image de Bruno Guimarães, lui qui est pressenti selon la presse brésilienne au Barça. Donc aujourd'hui, on va voir ses stats, on va voir aussi mon avis si c'est une bonne ou une mauvaise idée, on va voir si c'est le 9 idéal pour le Barça à l'espace. Alors ses stats ne sont pas ouf, je vais pas vous mentir, il n'a pas marqué assez de buts cette saison. Voilà, il a marqué environ 6-7 buts, donc c'est pas suffisant. Pour moi, le Barça doit viser plus haut que Arthur Guimarães. Par exemple, un petit Arthur Cabral qui est le genre de buteur qui marque but sur but au lieu de se focaliser sur les buteurs qui marquent pas trop. Donc peut-être s'il vient au Barça, il va changer. Mais pour moi, c'est pas, il marque pas beaucoup. Donc voilà. Et on va passer au deuxième sujet de la vidéo. Est-ce que c'est le bon profil pour le Barça et pour le recruter Arthur Guimarães? Alors pour moi, c'est pas le bon profil. Après, Barça peut en chercher d'autres parce que Guimarães, comme je l'ai dit, il n'a pas marqué beaucoup de buts en 2021. Donc c'est ça qui refroidit un petit peu les dirigeants barcelonais. Donc après, Julian Alvarez, Arthur Cabral, c'est celui-là, c'est le jeune qui joue au Red Bull de Bragantino au Brésil, qui est pisté. Donc selon la presse espagnole, il est valué entre 15 et 20 millions d'euros. Donc, mais la plupart des rumeurs, ils partent d'un prêt avec option d'achat. Donc pour le Barça, c'est qui serait peut-être une bonne idée pour le Barça. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur Arthur Guimarães. Je t'invite comme d'habitude à lâcher ton petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et surtout t'amener à lâcher la petite cloche de notification. Voilà, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!